Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur chaîne que j'ai une information sans problème. Quelle expérience, pas chômé. Ou est-ce que j'aime pas? Il va me faire conférence, il prend le monde, il vient faire rara pour lui. Monsieur Gain, plan, qui plan Monsieur Gain? Comme il sentit que il acculé, il n'a pas de matière, il n'a pas de documents pour venir supporter sa nabdio, mais il a cherché une façon pour faire nous faire silence. Qui ça a cherché? Il a conseillé, il a conseillé qu'il travaille avec nous au laboratoire, il y a un avocat, il y a un pile de monde qui vient supporter lui, et puis l'autre monde encore. Il a dit, on cherche pour créer des dossiers et tout. Comme ils ont fait dossier sur, il faut faire dossier sur lui. Même pas faire dossier sur le monde. Je suis en réalité, je suis témoin. Et puis il y a des gens qui parlaient, qui me fait et qui me diffusaient. Je me suis dit, bon, pourquoi il a inventé, c'est que c'est qui façon qu'il a fait un genre, fait monsieur impliqué dans un dossier drogue avec ZAM. Vous comprenez que les gens doivent apparaître là, ou bien la machine, qu'il y a une combinaison qui fait. Et puis ouais, ou pas de drogue dans le monde, ou la cocaïne, ou la ZAM. Ça c'est une stratégie. Mais pour premier salle de gagnant, il va kembe, c'était bas 10 journées la carrière avec matière fécale. Ça va kembe. Il va ça pas bal ça la chercher. Ensuite, c'est tirer sous machine. Tirer sur local li, ou tirer la carrière. Dernier plan l'a fait là, c'est qui ça le fait. L'a monter descendre dans tribunal première instance. Juge Ben à Saint-Ville, pas Haïti d'après information que nous gagnons. Mais le mettre au monde assuré intérimaire pour lui. Qui ça l'a fait? C'est à jeune ou entente avec un juge. Et puis, faire un mandat, même genre été fait pour le Jovenel là, mettre toute accusation là-dedans, chercher bandit, criminel, à le faire parler pour dire que il y a un lien avec mon chéri qui était chef gang, qui était faire action pour lui. Donc, criminel ça a témoigné pour vous montrer rapport, liaison, lien que vous avez ensemble avec vous. Donc, il y a des avocats qui n'ont pas au Port-au-Prince, qui des amis qui expliquent ça chaque jour. La beauté descend. Et tout voyez un message par les doyens, oui, dans la civil, dans la civil, que tout le monde connaît comme son monde sérieux pour éviter de ne pas mettre dans une situation difficile, de ne pas saboter le bureau pendant que il n'est pas Haïti. Heureusement pour nous, et malheureusement pour eux, nous avons des informations à temps et nous avons cherché sous lui toujours. Et nous avons choisi aujourd'hui là pour me rendre information publique. Parce que Pierre Espérance, lui pas qu'à sortir tête dans le dossier qu'il y a. Et il dit, mon chéri, ça nous fait faire, c'est craser RNDDH. L'international, approuvons-le pas pour prendre la mission encore. Parce que, mentir qu'on a baillé sous mon yo, il va prendre bien encore. Deux, société a tout le monde qui est peur parce qu'il a mis rapport sur la police pas qu'à travailler. Donc je vous dis à la bagarre difficile pour lui, mais il faut que faut le fond gens pour empêcher mon chéri continuer dans sa la. Effectivement, il y a eu dans moins d'une semaine, dans l'intervalle d'une semaine, deux cambriolages qui faits dans le Sénat républicain. Mais permettre que me préciser au départ que l'espace que nous avons là sont espaces qui sont gérés à la fois par le Sénat et la Chambre des députés. Son espace tout qui gagne un corps de policiers parlementaires qui est géré par les instances de la Chambre des députés et un autre qui est géré par le Sénat de la République. Gestion totalement séparée et autonome. Mais l'espace est sécurisé par des policiers parlementaires issus de deux branches parlementaires.
Ça, c'est la première précision. La deuxième précision. Premier vol qui fait là, c'est un vol qui fait dans le périmètre qui est supposé sécurisé par des policiers parlementaires de la Chambre des députés. C'est un pompe qui à eau qui permet de nous faire pompage pour nous capables d'alimenter tout système que nous gagnons par bord ici. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la même zone Nantou, gagnent des téléviseurs qui volaient dans le salon diplomatique qui attenant à bureau secrétaire général. Pendant que a conduit enquête ça et que directeur police parlementaire Sénat a pris disposition pour les capables de produire un rapport, eh bien, il y a un deuxième vol qui fait. Et deuxième vol ça qui fait là, eh bien, son vol qui fait au niveau d'un périmètre qui est consacré spécifiquement à Sénat républicain. C'est plusieurs télévisions qui volaient. C'est trois fusils 12, si je ne me trompe pas, deux fusils 12 défectueux qui étaient réservés dans le bureau directeur là pour être capable au moins soumettre lui à inventaire pour des comptes à quel que soit moment de la durée que coup des comptes a gagné pour faire inventaire. Et puis il volait tout de l'autre bagaille dans le bureau directeur. Il volait tout plus de 6. Il volait tout plus de 6 télévisions qui dans le bureau plusieurs sénateurs. Tout compte fait. Si nous bien comprendre une question, pour les bagailles pour nous dire, espace sécurisé par des agents policiers parlementaires. Premier monde pour nous pointer du doigt, c'est d'abord les agents qui eux-mêmes étaient en poste. Il y a 9 agents, si je ne me trompe, première fois. Il y a 9 agents, deuxième fois. Et bien, toutes 18 agents, ça y est, et bien, dans les heures qui suivent, il y a une suspension pour eux et ils seront mis en condition D à la disposition de la DCPJ pour la conduite de l'enquête. Et deux, une fois que l'enquête DCPJ a abouti, on a pris toutes mesures qui sont recommandées par la DCPJ et les fauteurs, ou bien les coupables, ou bien les receleurs, et bien ils ont tous à déférer par devant les tribunaux compétents. Puis à répondre de ça pour lesquels il y a une responsabilité là-dedans. Est-ce que il y a un constat qui a été fait par le juge de paix. Maintenant, pour un constat, c'est hier, avant-hier. Et le rapport là, on a besoin de matin. Et une fois qu'on a un rapport, on a transféré le dossier à la DCPJ. Et le dossier a suivi toute coulée. Aucun policier parlementaire, sous quelque forme que ce soit, sous quelque prétexte que ce soit, qui t'a impliqué de près ou de loin en dans question ça, ne sera épargné. C'est un cambriolage qui est orchestré avec, bien sûr, à première vue, la complicité ou bien de employés qui dorment ici, qui est affecté ici, ou bien de policiers parlementaires, que ce soit dans la Chambre des députés ou dans le Sénat République là, qui t'est préposé à bail sécurité à Parlement. Il est clair, puis qu'à personne ne vient dire moi, et que c'est ISO, c'est il a appris, c'est ceci, c'est cela qui vient faire opération ça. Son opération à l'interne, vers là. L'inomangoa, eh bien, il faut que nous connaissions qui est vers là et qui est tout qui tolérait vers là en de mangoa pour permettre que vous fassiez un crime ou bien un bail comme ça, un vol comme ça en dans Parlement. Histoire ça, son histoire que je prends très au sérieux et je ne peux pas faire aucun cadeau. Je dis bien, aucun cadeau là-dessus. Nous connaissons toute institution Getify. Ça apprend nous pour nous serrer, pour nous prendre des mesures qui sont strictes, pour nous sécuriser le bâtiment encore mieux. Il y a Grèce et Égypte antique dans ce premier lieu qui a gagné le leadership
mouvement ça dans l'Égypte antique qui était Alexandre le Grand. Alexandre le Grand lui-même t'a établi des ces principes pour dire qui gens pour une citoyen. Il était premièrement faut pour son garçon, deuxièmement faut pour faire service militaire, troisièmement faut pour son monde qui est riche, quatrièmement faut pour son héritier de tout ça ouais me dit là. Vous comprenez? Ça veut dire fort par rapport que faire service militaire tout, t'es un monde riche et puis tout c'est faut que lycée un garçon. Faut pour remplir quatre critères ça pour te venir un citoyen. Ça c'est ça et Égypte antique t'est établi comme critère. Mais nous regardons toujours dans Grèce antique lui-même qui ça dit et une raison dit la Grèce est à l'origine de la citoyenneté moderne. Qui ça lui dit lui-même lui dit que presque même critère que Égypte antique établi c'est faut pour ces garçons, faut pour faire service militaire, faut pour et riche. Et quatrièmement, il dit qu'on s'en faut atteindre l'âge de maturité. Ça a relevé faut qu'il y ait 18 ans. C'est une raison où il dit que la Grèce antique est à l'origine de la citoyenneté moderne que nous-mêmes nous adoptons, faut qu'il y ait 18 ans pour commencer à dire comme son citoyen. Ça veut dire que le droit civil et politique, nous avons commencé à jouer à partir de l'âge ça. On a les pour Romain, yo. On dit lui-même qui ça, mais qui ça Romain pour gagner. Faut qu'on gagne tout critère, ça ni Grèce, ça ni Égypte antique. Mais ça va suffire pour lui. Faut que c'est une décision de justice. Ou bien doit remplir tout critère ça, yo. Si tu commets une infraction, malgré remplir tout critère, yo. Si tu commets une infraction, la justice tranche contre tout ou pas t'apprendre et citoyenneté. Ça veut dire que, ça veut dire que les filles n'ont pas de bail comme ça. Ça veut dire que les filles n'ont pas de bail comme ça pour ni la Grèce antique, ni l'Égypte antique, ni pour l'homme. Parce que mesdames, nous avons toujours dit, nous n'avons pas besoin de solution de facilité. Il y a un concours là, il va falloir dans le concours, il pense que mon garçon a fait le passé. Mon grand garçon a toujours proposé, moi, il faut comprendre mathématiques, etc. Gonfler quoi là, il faut comprendre physique là. Donc, il y a dominé ça avec une violence symbolique. Oui, carrément dans la classe là, si nous avons une femme, nous avons dit, si par exemple dans le concours, ou bien dans la question génie, nous avons décidé que même si nous avons une femme dans les compétences, nous avons une matière littéraire plutôt. Ok, donc ce n'est pas faute nous, c'est la société qui rend nous comme ça. Alors, dans le cadre, c'est un sérieux que Vivario a fait dans nos paquets de l'école. C'est bien dommage que j'en ai dit. Et groupe ça son groupe masculin. Donc là n'a posé problème ça yo dans des groupes masculins, monsieur on ti gens qu'on pas fin comprendre bien. Parce que yo mette yo dans tête yo c'est eux même qui bourreau. OK? C'est eux même qui bourreau, ça veut dire que c'est des monde qui pas veulent prendre des filles, pas veulent prendre refus. Donc dans l'école yo en Haïti, il y a un paquet de manifestations de violence qui fait sur femmes en général. Par exemple, même dans le livre pédagogique. Autrefois, on m'a fait toute image qui paraît que mon petit fille a pas autre chose. Garçon, même à papa, il a conduit camion. Donc, c'est des images comme ça. Comme si une société qui construit notre subdivision de sexe. Ok? Donc, tout ça qu'a fait en général en Haïti, le fait que société a une société patriarcale qui basée mais qui chita sous présence garçon, sous force garçon ou bien sous traditionnellement représenter garçon quand on est suprême et garçon en tout vient nous voir que lui-même il a pour mon méchant. Les remet en fille en relation avec une fille pour dominer fille et pas accepter dans quelle liberté. Donc si fille a fait la vidéo pour nous battre de pas nous river tuer eux. Approche police communautaire là. Lui permet que l'hypothèse des solutions qui sont durables dans la communauté parce qu'il y a implication et participation de la population là-dedans. Qui ça, on police et communauté haïtien, va être comme objectif. En général, c'est majorité objectif en police normal. Parce que les policiers communautaires sont policiers à part entière. Ce n'est pas comme si nous avons son l'autre police. Ils sont policiers à part entière, mais qui ont l'autre approche de la police, ont l'autre approche de sécurité et qui a fait un autre travail en ce sens. Un objectif policier communautaire, c'est améliorer la qualité de vie citoyenne dans la communauté.
pour améliorer la qualité du policier et du citoyen dans la communauté, c'est dans la présence policière dans la communauté, dans le partenariat qu'elle a développé avec la population, vers la recherche, conseil de problèmes et résolution de problèmes. Donc, lors de la communauté, on dit que bon zone dans la gare là, bon frère noir. Et puisque bon frère noir, chaque résident qui soit dans le frère noir, il y a une pratique côté que bien nous, chaque 10 jours, la police communauté a investi la zone où il y a des approches communautés. Nous parlons de ça, elle dit, la population et la police a parlé de ça. Ils ont identifié le problème. Et puis, on essaie de une solution. Une solution, c'est là. Ah, on essaie, chaque mois, de mettre un lampadaire dans ce secteur. Automatiquement, lampadaire, ça, collision avec collaboration avec la population, même moi, avec lampadaire, ça, eh bien, il résout deux problèmes. Il résout le problème de la route là, qui est dans ce secteur. Et en plus, il résout le problème de sécurité, avec une monde qui a pris. Et ça, tout fait que la qualité des citoyens améliore. Donc, si on est vers 6 heures du soir, t'es peur pour passer dans la zone ça, pour y aller à 8 heures la même. Est-ce que nous là? Pour qui ça? Parce que pour y aller là, problème insécurité qui déposé, il résout. Les livres en Haïti, depuis plus passé une année, nous avons un seul verbe à conjuguer, nous avons une seule parole à parler, nous te prévoir, puisque l'on fait politique, il faut qu'on ait une vision vers l'avenir. Nous tous, oui. Parole, chemin de délivrance Haïti, tu as parlé, c'est lui-même qui a des paroles, solution. Chemin de délivrance Haïti, comme regroupement politique, tu as parlé parole ça. Depuis plus passé, une année, nous battons bravo la contentement. Battre bravo la contentement, ce n'est pas pour qu'il y ait maintenant. C'est parce que, aujourd'hui, nous sommes d'accord que l'espace politique a demandé de nouvelles têtes, a demandé de nouvelles idées, j'en ai dit depuis un an. Et c'est tout élément ça, yo, ensemble de comportements malsains ça, yo, qui menait nos situations côté que, eh bien, plus passé un an, parti sans bloquer, plus passé un an, l'argent pas brassé dans le pays, ya. Activité économique finie, question sécurité, n'a même besoin de parler de ça, l'État pas existé. Plus passé un an, tirer sept l'État et au point pour servir officiel. Je dis à nous nos situations côté que, la fin frappe pour tout le monde en Haïti. Quelle que soit la classe côté, n'a continué sonner cloche là, sonner l'ambia pour nous dire que nous nos situations, c'est constitution qui a appliqué pour nous faire échec avec l'équipe Ariel là, qui va porter un yé pour le pays, que c'est de côté malheur contre le pays d'Haïti. Là, c'est 28e congrès renouveau charismatique là. Thème congrès ça, Adessa, d'abord c'est Haïti fait bon Dieu la confiance, la fortune lumière pour toute nation. Yo. Et thème ça, c'est un thème que l'esprit bon Dieu ban nous. Et c'est même thème ça nous avons gagné dans l'année 2009. Et thème ça signifie que bon Dieu voulait faire du neuf dans le pays d'Haïti. Bon Dieu nous voulait changer les bagailles dans le pays ça. Et les papes changer sans nous, c'est avec nous. Et c'est peut-être ça. Nous invitons, nous venons la prière pour nous entendre qui ça, bon Dieu, voulait dire nous à travers thème ça, à travers parole prophétique ça, que l'a insisté sous lui depuis 2009 pour le dire nous, Haïti, je fais de toi la lumière des nations. Oui, congrès a. Cap organisé depuis 2005 sous espace nous dans tabac. Nous connaissons la situation pays a fait que le congrès n'a pas organisé la ANESA. Donc c'est la caille frère Saint-Louis de Gonzague. C'est là que nous sommes là dans le moment ça. Je crois que nous sommes capables de remarquer derrière là des constructions qui ont fait un stand principal, l'autre stand, ensemble avec côté. Pour recevoir tout le monde qui a venu dans le congrès. Nous avons tant de là, nous capables de remarquer ça, qui commence à construire. Et sûrement, et dans moins de 24 heures, tout le bagage a planifié pour accueillir nous pour le 28e congrès renouveau charismatique. Côté que nous avons ressourcer nous avons prendre force
parce que nous-mêmes, peuple haïtien, c'est nos combats que nous y sommes, c'est nos batailles que nous y sommes. Nous ne pas jamais arriver aussi bas dans la situation, nous. Mais bon Dieu, pour relever nous, pour lever nous, pour étonner le monde. Gloire bon Dieu pour venir éclater dans le pays ça. Et c'est pour ça nous demandons nous, pour nous venir, pour nous ressourcer nous, pour nous venir ravitailler nous spirituellement, pour combattre les capables de continuer et pour nous réussir, pour nous faire le monde saisir, parce que bon Dieu nous est avec nous. Congrès a fait 22, 23 et 24 avril qui a venu là. Ça veut dire vendredi, samedi et dimanche. Et donc, nous capables de dire tout le monde que contrairement à Jean Sakon passé tabac, côté que nous avons gagné Mounio qui dormit sous espace là, eh bien, Anessa, personne n'est capable de dormir depuis le congrès a fini. Non, vendredi après-midi, samedi après-midi, bon, zone 5 heures comme ça, que tout le monde entre la caillou. Et dans dimanche, nous avons fini vers midi. Et il faut nous quitter la couffrée clean, propre, parce que l'école a reprendre le lendemain. Il faut que j'en note recevoir l'espace là, nous quitter comme ça. Donc, nous profiter tout pour nous dire nous, que nous avons joué un maillot congrès. Nous avons joué un livret congrès avec tout l'autre bagaille que nous avons habitué pour que tête nous avons CD et jouer congrès même qui donc vendredi matin tout le bagaille nous avons joué sur place. Participation li libre sauf que nous encourageons Mounio procurer le livret congrès qui est disponible dans le moment que vous entrez dans le congrès vendredi matin. Donc nous voulons dire tout que c'est par Delma 33 pour passer. Et entrer congrès, c'est dans Delma 33, c'est pas dans Delma 31. Parce que vous avez entrer dans entrer l'école primaire, la Caille Fréo, et puis pour avancer juste dans le fond, derrière l'école primaire, terrain football, qui derrière l'école primaire, c'est là que nous y est là, et c'est là que congrès a fait. Donc, dans le congrès, d'abord, ça y a besoin, c'est bon Dieu y a bien rencontré parce que c'est bon Dieu qui a invité. Yo. Et c'est l'ouvrir-cœur pour accueillir parole là, pour accueillir parole qui peut transformer, pour accueillir parole qui peut bailler force, pour accueillir parole qui peut bailler courage et pour avancer dans la lutte là parce que gay espoir pour Haïti. Pour les gens qui sont désespérés, eh bien, viens reprendre espoir ici là. Et comme nous t'ai joué un thème dans ça gagne 3 ans, espérer contre toute espérance, eh bien, thème ça, il est toujours d'actualité, espérer contre toute espérance, même si nous n'avons pas raison pour nous espérer, continuer à espérer. Bon Dieu nous a avec nous et c'est lui-même qui vient sauver nous. Mais le pape sauver nous sans nous, c'est avec nous, l'a sauver nous. Et c'est ça que nous avons cherché dans le congrès, c'est ça que nous avons joint. Nous avons joint force à travers parole pendant que nous avons loué nous, nous avons béni nous, nous avons cherché, nous avons adoré, nous avons appris à faire volonté. Voilà, c'est ça que nous avons gagné pour nous faire dans le congrès. Activité aujourd'hui, c'est journée scientifique que nous gagnons à la faculté de médecine et des sciences de la santé universitaire Lumière. Normalement, c'est une activité que nous gagnons depuis tantôt 6 ans. Donc, c'est notre objectif lié, c'est jouer une thématique, ok, année nous choisir santé mentale comme problème, parce que nous remarquons que il y a un pile facteur dans la société qui ça c'est aggrave le problème de santé mentale là. Donc, nous avons jugé nécessaire pour nous pencher sur la santé mentale là pour nous capables d'aller en aspect parce que dans 5 à 10 prochaines années, c'est sûr que y a un pile problème qui va découler de santé mentale là pour avoir avec situation sociopolitique et économique pays. Nous avons un paquet de thématiques. Normalement, grand thème là, c'est santé mentale. Et comme sous-thème, nous avons pour nous, premièrement, nous avons le cerveau en soi, comment le constituer. Et nous avons pour nous également différentes pathologies que le problème santé mentale cabaye. Nous avons pour nous un paquet d'aspects santé mentale qui est un et nous avons aujourd'hui là même vers midi nous avons un panel sur zombification avec le sénateur l'ex-sénateur Jean-René Sénatus
et avec un panoplie d'activités, un panoplie de programmation, parce qu'il y a plusieurs panels, chaque a bien sujet par là-dedans. Pour notre activité qui est parallèle, nous avons une salle de présentation affichée, parce qu'il va tout le thème qui est traité dans la salle de présentation orale. Donc, nous avons une salle de présentation affichée, nous avons une salle d'anatomie, pour nous apprendre, venir connaître les parties corio, nous avons une clinique externe, tout. Nous avons une zone où nous avons consulté, nous avons un médicament, et puis nous avons une salle de nutrition, nous avons une salle de secouriste pour montrer le premier geste que nous avons supposé faire. Pour en cas si on monte à un problème sur la voie publique surtout. Chaque année, ça fait la sixième fois qu'on organise des journées scientifiques. C'est avec un sentiment de satisfaction et également de reconnaissance vis-à-vis des professeurs, des doyens, des responsables des départements et de voir que les étudiants s'organisent et également s'adaptent donc à la situation et également apprennent beaucoup de choses parce que les exposés. Donc, ils sont là pour exposer une partie de leurs connaissances et ils invitent aussi des anciens aînés à venir contribuer à la réussite de la journée et également des amis de l'Université Lumière, d'autres professeurs, d'autres universités. Donc, c'est quand même donc, une situation vraiment extraordinaire. Dans ce souci-là que et le doyen et le responsable et du département de recherche de l'Université Lumière donc, vient avec un thème chaque année qui s'adapte à la situation et qui permet aux étudiants de colmater les brèches et de voir comment leur profession est capable aussi de contribuer à renverser la situation. Le thème qui choisit, hein, c'est en fonction de conjoncture. La santé mentale, c'est un problème qui a toujours existé. Et dans plusieurs domaines. Par exemple, les gens qui sont affectés par maladie chronique, ils sont toujours hantés par une menace de mort rapide. Et par exemple, les gens qui ont un diabète, les gens qui souffrent de Parkinson, les gens qui font Alzheimer. Donc ça agit non seulement sur les gens, même les gens qui agissent sur l'environnement. Mais la conjoncture que nous avons là, devient plus compliquée avec tout ce qui a passé dans le pays. Et on a parlé de violence en général. Et violence là, il y a une composante économique là-dedans, il y a une composante politique que tout le monde reconnaît, et il y a une composante sécuritaire qui change les conditions de vie de tout le monde et qui appauvrit une série de monde. Donc c'est le monde qui va même arriver déplacé sur la caillou pour le travail et qui a une responsabilité vis-à-vis de famille, vis-à-vis de petite, vis-à-vis de tête. Et Mounsao ne peut pas faire face à l'obligation. Ils viennent déséquilibrer psychologiquement et ils ont débouché sur des problèmes mentaux extrêmement graves. Donc c'est dans le contexte ça que l'université et la faculté de médecine choisit de centrer les journées scientifiques ça sous la santé mentale. Ben, une situation extrêmement grave et nous pouvons sentir complications ça dans les cap venir toujours si bon ben cap fini qu'on est là. Et c'est extrêmement grave, c'est peut-être ça n'a pas agité l'idée pour que étudiants qui ont fréquenté la faculté hein, prennent conscience du problème, non? Pour emmagasiner un série de connaissances pour leur face au problème, là, pour comment pour réagir et pour l'amoindrir et charge là sur la population en général. Parce que le problème, ça vient là, il agit socialement, économiquement et mentalement sur la population. Donc, c'est extrêmement grave. Accompagnement que nous avons fait, c'est accompagnement scientifique et que nous avons fait à travers les étudiants qui sont dispersés à travers le pays. Nous avons des étudiants qui sont dans le plateau central, en phase terminale, nous avons qui sont dans le sud et nous avons qui sont dans l'ouest. Donc, à travers eux-mêmes, nous n'avons pas de possibilité pour nous offrir des centres de psychiatrie moderne qui pour accueillir les gens. Nous avons une capacité pour changer les conditions économiques non plus. Et nous avons une capacité pour résoudre les problèmes sécuritaires.